j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit haul de mes fournitures scolaires. Alors il y a des choses que j'ai achetées durant ma chasse de fournitures scolaires et d'autres choses que j'avais déjà. Il faut savoir que comme je rentre au lycée, je n'ai pas eu de liste, donc j'ai acheté des choses comme ci comme ça. On verra bien si j'en aurai besoin ou pas. Et à la rentrée, du coup, j'aurai ma liste, car chaque prof va me dire ce qu'il faut pour sa matière. Donc voilà. Mais bref, je vous montre ce que j'ai. Alors cette année, j'ai pris un agenda, car en fait, je sais pas si au lycée, ils marquent tout sur Pronote comme au collège. Donc j'ai préféré au cas où en prendre un. En plus, il était en promo à Leclerc, donc voilà. Donc j'ai pris l'étudiant en rose comme ça. J'aime trop la couleur. Par contre j'ai pris une édition spéciale collège, donc 3ème. Donc dans l'agenda j'ai plein de trucs pour réviser, pour le brevet, pour mon orientation et tout. Donc j'en ai plus vraiment besoin quoi. Après ça reste un agenda. Voilà quoi, objectif, brevet et tout. Donc peut-être que j'arracherai les pages ou je les collerai pour pas qu'on puisse voir ça. Mais en vrai tant que j'écris mes devoirs dessus, c'est le principal quoi, genre... C'était le seul rose en plus. Oui, sinon genre c'était que des noirs. Donc... Et on n'a pas fait gaffe, on a vu ça... En rentrant. En sortant de la caisse. Oui. Mais bon. Et bref, tant que j'écris mes devoirs dessus, c'est le principal quoi. Après, on a pris des copies doubles comme ça, car on n'en avait plus. Et des copies simples, on en a encore, donc pas besoin de racheter. Après, j'ai pris une pochette comme ça. Franchement, je la trouve grave belle. Donc, elle est rose. Voilà quoi, c'est une pochette. Après j'ai pris un porte-vue de 100 vues, rose comme ça. Alors par contre je sais pas du tout ça sera pour quelle matière, les cahiers, porte-vue et tout. Donc je peux pas vous dire. Après j'ai retrouvé ce cahier là chez nous, voilà. En fait c'était mon cahier d'histoire de 4ème, sauf qu'il avait perdu dans une armoire et tout. Du coup je l'ai eu en fin d'année, donc voilà. Donc c'est un Oxford, c'est un 24x32, 96 pages. Et je kiffe cela car en fait il y a une pochette devant en mode comme ça. Et il y a aussi une vraie pochette derrière. Donc pour mettre des feuilles ou autre, même nos évals. C'est trop bien, donc pas besoin de prendre une pochette en plus. C'est directement dedans, du coup je kiffe ces cahiers. Donc je l'ai pris en rose comme ça. Dans un autre rose. Et j'en ai pris un transparent. Là. Voilà, donc un transparent, donc c'est exactement les mêmes. Hein. Alors, je sais pas pour quelle matière ils vont être. On verra bien en début d'année. Après, j'ai pris un cahier à spirale comme ça, Oxford. Franchement, je trouve grave beau et tout. Et en plus, celui-là, tu peux scanner tes pages avec leur application Oxford. Donc voilà, donc j'essayerai, ce serait peut-être plus simple du coup pour mettre sur mon téléphone directement les cours au lieu de les prendre en photo et tout. Voilà, du coup c'est un 24x32 et c'est un 180 pages. Et franchement je le trouve trop beau, genre dommage qu'il n'y a pas en plus petit format, genre en mode avec des 96 pages. Sinon j'aurais grave aussi pour... Il y en a peut-être hein. Je sais pas, mais j'aime trop genre la spirale car du coup c'est... Ça prend moins de place sur la table pour écrire. C'est pratique. Et au collège, on n'a pas de droit au cahier à spirale. Donc, après, comme tout, j'ai pris celle-ci. Franchement, je la trouve trop belle. Donc, j'ai pris une spack rose pailletée comme ça. Elle est trop belle. Je vous la montre de plus près. Elle est incroyable. Et là, on voit bien les paillettes. Elle est vraiment trop belle. Alors j'ai un ciseau rose pastel comme ça, Mabed. Je le trouve trop beau. Alors je pense que vous avez compris que Kélia est dans le thème rose. Ouais vraiment. Pour la rentrée au lycée quoi. Full rose là vraiment je... Et comme au collège il n'y a pas de code couleur. Au collège. Non, au lycée. Comme au lycée il n'y a pas de code couleur. Elle peut vraiment prendre la couleur qu'elle veut pour ses cahiers ou autre. Au collège français c'était jaune, maths c'était bleu, anglais c'était vert. Bref, là, il y a une pas. Couleur pour chaque matière. Là, tu prends ce que tu Alors veux comme couleur. Si je prends tous mes cahiers en rose, je les prends tous en rose. Après, j'ai pris ce taille-crayon Maped. Alors, franchement, il est trop bien car de une, il est rose. De deux, il est petit. Et de trois, en fait, il y a un petit truc comme ça. En fait, pour. Quand tu tailles ton crayon, après, il y a plein de trucs dans ta trousse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bien pratique.
Après, j'ai pris un tipex, une souris, un correcteur, je sais pas comment vous appelez ça. Comme ça, rose, voilà. C'est un UU. Alors, j'en ai déjà plein en réserve, genre la boîte de 10 de tipex que j'ai pris. Les basiques. Ouais, voilà, que j'avais pris en quatrième. Et franchement, j'en ai encore. Alors, au début, dans la chasse, t'avais pris un rose clair, si je me rappelle bien. Oui, mais. Et tu l'as changé. Ouais, car à la fin, j'ai vu qu'il y avait un seul rose comme ça. Et franchement, je préfère grave celui-là au rose clair. Donc, voilà. Après, j'ai pris deux gommes. Donc, j'ai pris la Maped en rose pastel. Celle-là, je la prends tous les ans et elle est trop trop bien. Donc, bah, je l'ai repris, mais en rose. Et j'ai pris celle-là. Voilà, elle est simple et franchement, elle est comme super bien. Je l'avais pris l'an dernier et on me l'a volée. Donc, j'espère qu'on va pas me la voler cette fois-ci. Après, j'ai pris deux critérium comme ça ou des porte-mines. Je sais pas comment vous appelez ça. Donc voilà, donc j'ai pris ces deux là. Alors ceux-là, je les prends tout le temps chaque année. Et franchement, je kiffe, soit je prends lui, soit je prends lui. Et cette année, j'ai voulu prendre ces deux là. Voilà, car j'en prends toujours deux chaque année. Et là, je voulais des roses, mais pas les deux mêmes. Donc voilà, et franchement, voilà quoi, c'était porte-mine. Des critériums, ils sont roses. Donc voilà. Après, j'ai pris des crayons normal. Donc j'ai pris du vert, du rouge. Et du bleu. J'ai pas pris noir car j'écris pas avec. Et ça c'est au cas où, genre si quelqu'un me demande de prêter son stylo ou que j'ai perdu mon 4 couleurs ou autre. De prêter son stylo. De prêter mon stylo. Bref, voilà. Au moins j'en ai, même si c'est toujours utile. Après j'ai pris 4 stylos 4 couleurs. Donc je l'ai pris celui-là, comme chaque année en fait il y a un critérium avec. Et franchement il est trop trop bien. Et il y a bleu. Ouais, il y a bleu, rouge et noir. Il n'y a pas de vert dessus. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, il me faut un stylo 4 couleurs. Un, pas trois. En fait, ils sont trop, trop beaux. En mode, genre, j'ai pris ces trois-là. Car en fait, il y a un rose en mode bien flashy. Ah, tu l'as pris finalement, celui-là. Oui. Après, il y a un rose en mode un peu plus... Plus doux, quoi. Ouais, voilà. Et après, il y a le même, sauf que le bas, il commence à devenir argenté. C'est un petit dégradé de... Ouais. De quoi de rose et ouais. Qui devient argenté. Du coup je sais pas lequel je prendrai dans ma trousse. J'ai tapé de vous montrer ceux-là. Et franchement ils sont grave beaux. Dommage qu'ils le font pas en rose. Mais ceux-là je pense que je vais les garder pour la maison. Après j'ai une petite règle comme ça qui vient de chez Shane. Voilà, et franchement c'est bien oula, c'est bien pratique dans la trousse. Donc toujours avoir une petite règle comme ça, puis elle est transparente. Donc ça va dans mon thème. Après du coup j'ai une grande règle, un rapporteur et une équerre en transparent. Mais en grand, en mode de... Normal quoi. Ouais, voilà. Et toi je crois que tu te sers jamais de la grande règle. Non mais c'est au cas où, si j'ai besoin je... Bah c'est demandé donc voilà. Bah je pense que ce sera demandé aussi au lycée. Mais c'est rare que tu t'en sers. Ouais car j'ai de la petite règle. Ou sinon, si j'ai vraiment besoin genre d'une règle plus grande, je demande aux gens. Voilà. Voilà. Après, j'ai ce compas Maped. Franchement, il est grave bien. En plus, genre, si on veut, on peut changer le bout et le mettre avec un crayon. Soit en tu fait... vas avec la mine ou soit ouais. Tu vas avec le crayon. Donc ça, c'est trop bien. En plus, dans sa boîte. Donc, trop bien. C'est parfait. Après, au niveau des crayons de couleur feutre. Donc j'ai pris ceux-là en Maped. Les Color Peps. C'est un lot de combien? De 18. Ouais c'est suffisant. Et pour le plus que j'utilise à chaque fois mes crayons de couleur Oui mais là t'es plus au collège, t'es au lycée. On verra bien si j'en ai besoin. Même si je pense pas vraiment. Et après j'ai ces feutres les Graph Peps. Voilà, c'est des Maped. Et ils sont en mode comme ça quoi. Ouais ils sont bien ceux-là. Ouais, j'aime beaucoup. Alors après, au niveau des stabilos, donc j'ai acheté ces trois-là. Donc un bleu comme ça, un rose comme ça et un rose comme ça. Et à la maison, j'avais déjà ce pack. Donc je verrai bien bah, les couleurs que je vais prendre. J'assure, je prends lui, je prends lui. Je vais aussi prendre lui, ce bleu-là et peut-être un violet. Ça fait peut-être un peu beaucoup là, non? Après, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Là, il n'y a pas écrit combien il en faut.
Donc si tu veux, je peux en prendre 20 dans ma trousse. Alors, je précise que pour l'instant, il n'y aura pas de vidéo organisation. Ouais. Parce que Kélia ne sait pas encore tout ce dont elle aura besoin pour la rentrée. En fait, j'ai des cahiers, mais je ne sais pas avec quelle matière ils vont y aller, quoi. Voilà. Donc, je pense que cette vidéo organisation, elle arrivera en fait après la rentrée. Une fois qu'elle aura eu en fait tous ses profs et que tous ses profs lui diront bah, ce qu'ils veulent. Là, elle pourra vraiment s'organiser, ranger son bureau et tout correctement. Mais parce que du coup, là, pour le moment, bah, je peux pas le faire parce que je sais pas... Bah là, tu peux rien ranger, en fait. Tu peux ni par matière ou autre, car tu sais pas. Moi, ouais, je sais même pas quelle matière je vais avoir. Genre, je sais que je vais avoir français, maths, anglais, mais quoi d'autre comme matière? Ouais, je sais pas du tout. Donc, on verra bien à la rentrée. Franchement, c'est bien oui et non, car genre, on n'a pas de liste, donc ça, c'est trop nul. Mais on peut acheter ce qu'on veut. Bah après je pense qu'au lycée c'est pour que vous puissiez en fait être autonome. Voilà c'est ça. C'est à vous en fait de voir peut-être ce que vous voulez prendre et comment vous organiser pour retravailler. Tu verras à la rentrée. Ouais, on verra bien. En tout cas j'espère que ce petit haul vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous à tous.